de 2. Et de 3. Personne respecte ce passage piéton. Il y a des mecs qui arrivent, qui font chier à les peindre, personne respecte. Allez-y, de toute façon vous avez la priorité. Bonne journée. Très pratique ce nouveau passage piéton. Complètement berge, saison 3, épisode 1. C'est parti. Bonjour. C'est quoi, il y a quoi dans votre sac à dos? Ça nous intrigue. Un kayak? Ouais. Ah, vous allez faire du kayak? Ouais. On peut ranger un kayak dans un sac à dos? Ouais, tout à fait. Kayak gonflable. C'est vrai? Ouais. Et vous allez jusqu'où comme ça? Bon, là, je vais me mettre là pour le gonfler et puis je remonte vers la tête dehors, un truc comme ça. Quand j'en ai marre, je redescends avec le coin. D'accord. C'est cool ça. On peut vous suivre? Ouais. Moi, je vais voir un kayak. J'en ai pour un petit moment à le gonfler. Ah, bah j'imagine, ouais. Ah ouais, un kayak. Comme ça, vous avez le droit de venir sur le Rhône faire du kayak. Bah ouais, c'est navigable. Il y a des bateaux qui passent et un petit bateau, je peux. Et on peut s'en tenir. Hein. Ah ouais. On peut vous suivre? Ouais. Ah bah allez. Tu savais qu'on pouvait mettre un kayak dans un sac à dos, toi? Et il y a les rames avec? Ouais. Oh, bah quand même. Ça m'intrigue. Ouais. La gourde, d'accord. C'est quoi le gonfler? Gonfleur. Pour l'instant, j'ai pas vu de kayak. Les rames. Les rames, d'accord. Et là, tu vas sortir. Le kayak. D'accord, ouais, c'est pas plus gros que ça. Déplié. Ah ouais, c'est un kayak. L'idée, c'est que vous venez régulièrement faire du kayak. Ouais, je viens en transport en commun, je pars d'un côté, je reviens de l'autre, avec le kayak sur le dos. Pas besoin de voiture, certains font du vélo, vous faites du kayak. Ouais, je fais aussi du vélo. Vous allez aller d'où à où? Donc là, je pars d'ici à Guillotière, et puis je vais remonter jusqu'à la Fessine. Combien de temps? Une heure et demie à monter, une demi-heure à redescendre. L'idée avec le vélo ou que ça soit le kayak, c'est quoi? C'est l'envie de liberté, l'envie de... Pouvoir se balader au départ de chez soi. Sans moteur. Sans moteur. Donc ça veut dire qu'on peut se déplacer, se balader sans moteur et on peut faire des longues distances. On peut faire des trucs sympas, ouais. Parce que d'ici on peut partir jusqu'à la mer. Sans moteur. Sans moteur, faut avoir du temps. Ça c'est la clé de chez vous? Ouais. Bon, bah bonne balade alors. Allez, au revoir. Allez, bonne route, nous saillons. Ah ouais, t'as signé que moi j'ai pas de boulot? J'étais là, mais c'est pas ton problème. Enfin... Tranche de vie sur les berges. Tu savais que ça bouffait de l'herbe un signe, toi? Regarde ça, on dirait des moutons. Bonjour. C'est pour quoi? On vous a vu allongé là prendre le soleil, on voulait venir vous parler. Ça va? Ça se passe bien? Bah, ça, on dirait. Hein. C'est comme les algues, là où il y a de l'eau, il y a de la soleil. Mais du soleil, elle se pose donc. Ah, c'est pareil. Un peu, ouais. C'est repos aujourd'hui? Je suis venu spécialement à Lyon pour donner le bouquin que j'avais écrit, le premier bouquin que j'ai écrit qui a été publié.
à Monsieur Tarantino, vu qu'il est question de bouteilles lui appartenant qu'il avait dans un bar Tokyo Heat en 2010. Et il est aussi un peu mis en scène dans mon bouquin. Et voilà, je voulais pas une dédicace du maître, mais je voulais donner ma dédicace au maître, en fait. D'accord. Ok, et vous avez écrit un livre qui s'inspire de Quentin Tarantino ou il fait partie de l'histoire ? Qui est un peu dans le même univers, mais qui tape aussi dans d'autres références qu'on a de communes, Kurosawa, etc. C'est très... ce bouquin-là, en tout cas, est très, très ciné. Les références sont pas mal ciné, mais c'est un peu pop. Ça s'appelle Gokan. Comment ça s'appelle ? Gokan, G-O-K-A-N. C'est un roman ? C'est l'édition du Cherche-Midi. C'est un roman ? C'est un roman. Et donc voilà, donc ça me paraissait être un bon plan foireux. Décidé à l'arrache en 3 jours, je suis arrivé à mes fins, donc tout va bien. Donc votre métier est écrivain ? Entre autres. Ça veut dire quoi, entre autres ? C'est-à-dire je traduis aussi des bouquins. D'accord. Pour vivre, et puis j'en écris pour plus que vivre. Pour essayer de vivre. Comme c'est pas un truc par définition qui va te faire beaucoup vivre tant que tu seras pas énormément connu, et si t'es pas prêt à être connu, si c'est pas ton but premier, bah c'est difficile d'en vivre. Donc il faut se trouver des boulots plus ou moins alimentaires. Et pour moi, c'est la traduction. Donc c'est assez sympa comme boulot alimentaire. Traduire un bouquin, comment tu fais ? J'imagine qu'il y a un esprit de l'auteur qu'il faut respecter. Est-ce qu'on peut reconnaître ta patte à la traduction d'un bouquin, par exemple ? De toute façon, ça sera toujours moi qui le traduirai. Et il n'y a jamais de traduction neutre, en fait. C'est pas vrai, en fait. Tu peux pas traduire texto ce qui se passe dans une langue, dans une autre, en fait. C'est un jeu de dupes, cette affaire, en fait. C'est pour ça que c'est une grosse blague parmi les traducteurs, c'est quand ils font bien leur boulot et que ça marche, les critiques littéraires, et puis le public, mais c'est plus désolant pour les critiques littéraires, ils vont louer le style de l'auteur. Alors que c'est pas vraiment le style de l'auteur, parce que le style de l'auteur, il est en anglais, ou en portugais, ou en espagnol, et... le style dans la version définitive de la traduction, c'est aussi une partie du style de... du traducteur. Ou d'absence de style du traducteur. Et le prochain bouquin, pour toi, au-delà de la traduction, le prochain... Ça va se passer entre autres à Lyon, c'est un truc que j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Tout le bouquin sera pas comme ça, mais à Lyon, ça sera déjà... on tombera dans le post-apocalyptique, en fait. Mais gentillet. C'est-à-dire tous les jolis cons qui sont là, ils existeront plus, par exemple. Non, mais c'est pas sympa. Et les gens ? Et les gens ? Eh ben, t'auras les méchants qui seront là où on est et les gentils qui seront réfugiés sur la presqu'île. D'accord. Bah, ça a l'air sympa. C'est juste un mot. Bon, et ben, on va te laisser. C'est quoi ton prénom ? Diniz. D-I-N-I-Z. Diniz. Et ton nom d'écrivain ? Avec un nom aussi bizarre que le mien, il n'y a pas besoin de pseudonyme, donc c'est Diniz Gallos. Salut. Salut. Bonne fin de journée et bon... Ouais, vous aussi, bon courage. Bon week-end lyonnais. Salut. Salut. Toujours le vélo, hein ? Toujours le même vélo. Là, okay. Il a pris un peu la poussière, mais on l'a ressorti. Et toi, ça va ? Ouais, tu vois, je fais bon aujourd'hui. Si j'étais pendant un mois, j'ai un lumbago, mais bon. Ah mince ? Non, mais... ça arrive. Avec la vieillesse, ça passe vite. Mais t'as pas couru du tout ? Ah non, pendant un mois et demi. Je me levais l'après-midi à 4h l'après-midi, je fais plus... J'étais couché, bon, on m'a dit on peut. Ça te ressemble pas, ça ? Non, bah comme je suis à la retraite, c'est bon. Puis un mois et demi, qu'est-ce que c'est quand t'as 65 ans ? À Lyon, en 2015, il y avait championnat du monde vétéran de plus de 65 ans. Alors là, ah, tu te prépares. Je pense. Comme je serais peut-être pas le plus mauvais, j'ai l'impression. À force de courir, quand même. Il y a des sponsors, normalement. Si t'es champion du monde, je crois que c'est 20 000 euros, un sponsor. C'est sponsorisé ? Ouais, ouais, 20 000 euros. Papi Toupi. C'est quoi ? C'est nouveau ? Ça c'est nouveau, c'est la Papi Pouti. La Toupie de Papi. Alors, ça vient d'où ? Ah, ça. Alors ça vient dans un tiroir, je l'ai trouvé. La Papi Toupi. Bon, et moi faut que j'y aille. Hein. Ouais. Je te sers pas la caméra, mais le cœur y est. La Papi Toupi. Allez, au revoir les enfants. Allez, salut. Au revoir.
Ça va, ça se passe bien? Qu'est-ce que se passe bien? Ben, je sais pas, vous venez jouer là, sous un pont. L'acoustique est bonne? Oui, l'acoustique est bonne, j'avoue. C'est comme si on était dans une salle. C'est vrai? Oui, ouais. Et donc, du coup, vous. C'est votre métier ou c'est le loisir? Oui, c'est mon métier. Depuis que je suis gamin, je fais aussi. C'est ma femme, c'est mon enfant et c'est tout. C'est votre femme? Vous appelez ça votre femme? Oui, c'est ma femme, elle est toujours avec moi. Mais ça va, elle parle pas beaucoup, moi. Mais si, elle parle, elle chante toujours. Ah, elle chante, c'est elle qui chante. Ouais. Quand je suis triste, c'est. Voilà. C'est un refuge. Ouais. Ça me permet de m'échapper. On peut avoir une petite démonstration de. Aïe, 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 aïe. Quand vous jouez avec votre femme. Vous lui avez donné un nom à votre femme? Oui, elle s'appelle Marie-Jeanne. Ah, c'est vrai? Oui, oui. Non, mais je l'ai compris parce que comme j'étais au pays, tout le temps j'avais ça. Mais tu dis, ce n'est jamais ton instrument. Ah, oui, je ne me souviens pas de mon instrument parce que c'est ma femme. Et bon, comment s'appelait ça, Marie-Jeanne? Et souvent, il y a des problèmes avec des fois des copines. Dame, soit Marie-Jeanne. Et qui c'est qui Marie-Jeanne? On dit, mais c'est ma femme. Ah bon, t'as quoi une autre femme? On dit, oui, j'ai toujours une femme qui s'appelle Marie-Jeanne. Et quand je monte les saxos, après ça. C'est quoi les qualités de Marie-Jeanne alors? Oh, d'abord, elle est belle. Mais quand on joue, c'était souvent, moi j'étais gamin, j'ai dit à ma mère, il faut que tu m'achètes cet instrument-là. Ça m'a capturé, c'est comme si c'était une femme. Mais... Et vous étiez jeune là, vous aviez. Ouais, ouais, j'ai dit à ma mère, moi je vais jouer ça. Et puis elle a dit, mais oui, mais tu sais que ça coûte cher, non pas de sous-pocher de ça. Puis moi j'ai dit, mais je vais jouer. Et voilà, c'était parti comme ça. Bravo. Ok, je vous laisse avec Marie-Jeanne. C'est quoi votre prénom? Je, mon nom de musique, c'est Tams. Tams? Ouais, c'est le diminutif de mon nom. Si vous oubliez, pas c'est Tam Tam. Tams? Bon. Et bon concert ce soir? Bien. Allez. Au revoir. Au revoir. C'est la partie difficile ici. Voilà, c'est la fin de Complètement Berge. On se retrouve très vite. Quand exactement? On sait pas trop. En tout cas, on sera sur les berges. Salut! Allez Arnaud, prends ton vélo, on s'en va. Et puis tu pourras le nettoyer un peu. Parce que là, il est vraiment dégueulasse.